Je m'appelle Christian Yombi, je suis chef cuisinier et propriétaire du restaurant à Rome qui se trouve à Kinshasa. À côté de ça, j'ai été élu comme meilleur cuisinier d'Afrique et meilleur jeune chef du Benelux quand je travaillais encore en Europe. Et les raisons qui m'ont poussé à lancer ma société, plutôt un cas particulier chez moi parce que je voulais juste créer un travail. Au début, il n'y avait pas d'autres raisons parce qu'à un moment, je travaillais pour des gens. À l'époque, j'étais en Europe, là où j'ai créé ma première société, qui était mon premier restaurant qui s'appelait Ressources. Et donc, à l'époque, j'ai travaillé pour certains patrons et étant Congolais en Afrique à l'époque, c'était compliqué parce qu'à chaque fois que j'avais... À chaque fois qu'il y avait problème dans une société, j'étais la première personne à être virée. Et puis, à un moment, j'étais tellement bon parce que j'avais des bons diplômes, j'avais une bonne qualification, j'avais une bonne expérience. Et à chaque fois, il y avait toujours quelqu'un au-dessus de moi, alors que c'est moi qui faisais les boulots qui devaient être faits. Bon, on va dire en Europe, c'était plutôt, j'avais toujours un blanc au-dessus de moi, alors que c'est moi qui faisais les boulots. Donc, j'étais le chef, mais j'étais considéré comme sous-chef. Quand on est cuisinier, donc quand on fait quelque chose, l'expérience se voit tout de suite dans le travail. Il y avait même des gens qui étaient supérieurs à moi, qui se sentaient à la limite lésés parce qu'ils se disaient « maintenant, tu mérites beaucoup plus ». Et quand j'ai demandé un salaire un peu plus, on me disait que c'était pas possible et qu'à un moment, ça créait un malaise. Et donc, j'étais presque obligé de créer ma société pour essayer de me créer d'abord juste un emploi. C'est mon premier restaurant, je l'ai monté en Belgique. Et donc là, c'était toujours la même chose, l'histoire des financements, le fait qu'on n'a pas de confiance à vous. Ça, c'était les premiers critères qu'il y avait chez nous. En fait. Et ici au Congo, dans mon premier business que j'ai lancé localement, c'était toujours un peu dans la restauration. Et là, j'avais toujours un peu besoin. Alors là, ici, c'était encore un peu plus compliqué parce qu'il y a, à part les besoins de financement, il y avait le fait qu'on n'avait personne pour nous aider. Donc, il n'y a aucune structure qui nous aidait spécialement à aller créer une société. Surtout comme indépendant, comme des particuliers. Je pense qu'il y a encore certaines structures pour des grandes boîtes, mais si vous voulez vous lancer personnellement, c'est assez compliqué. Mes plus grands challenges, satisfaire mes clients. Donc à chaque fois que moi je dois servir un plat, un petit pain, un petit bout des petits détails qui est quelqu'un qui est sur la table, c'est juste que chaque jour, chaque personne qui vient chez moi, quand il sort de là, qu'il ait une expérience. Et une bonne expérience. Donc mon job de tous les jours, c'est d'essayer de faire en sorte que la personne qui vient chez moi sorte de là satisfaite. Alors d'abord, j'ai créé mon business, j'ai gagné plusieurs concours. À ce moment, je suis connu à l'international. Pas encore. Mais j'emploie des gens et par ce travail-là, ils permettent de nourrir leur famille. Donc moi, j'estime qu'au niveau personnel, c'est un peu plus ça. Ce que j'ai réalisé par rapport à ma profession. Et j'arrive à vivre de ce que j'ai fait par mon travail. Alors, qu'est-ce qui empêche les gens de passer, d'entreprendre? C'est que c'est difficile de prendre les risques et de se dire qu'à tout moment, on peut tout risquer. Et donc, il faut avoir un peu de petite folie pour commencer à se lancer sur quelque chose qui a autant d'incertitudes. C'est qu'autour de nous, par exemple, nous, on est des pères de famille et tout. À un moment, vous savez que je peux ou ne pas avoir des salaires à la fin du mois. Et donc, c'est un risque de tous les jours que l'on prend. Et des fois, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à prendre ces risques-là et qui hésitent. Quel regard j'ai porté sur l'Afrique et sur le développement de l'Afrique? C'est d'abord un regard positif parce que s'il n'y avait pas ces regards-là, je n'allais pas retourner au pays. Parce que moi, j'avais un choix à faire. J'avais déjà mon business qui était là. À l'époque où j'étais en Europe, j'étais considéré comme un des meilleurs chefs espoirs du Benelux même. Et j'avais déjà mon business qui marchait bien. J'avais des réservations. Mais à un moment, quand on est en Europe, étant qu'Africain, on sent qu'il y a un vide par rapport à plusieurs raisons, parce qu'il y a un grand marché, il y a tellement de choses à faire ici en Afrique, et à un certain moment on se dit, les autres ils ont déjà tout fait en fait. Qu'est-ce que moi j'avais à ajouter à ce qu'ils avaient déjà fait? Je ne voyais pas ce que j'avais à ajouter sur ce qu'ils avaient déjà fait. Et si je devais ajouter quelque chose au-delà, je devais à la limite travailler 10 fois encore plus et sacrifier à la limite ma vie familiale, ma vie privée
et pour arriver à cette réalisation-là. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, j'ai fait ça en fait. Je me disais que je voulais être le premier Congolais à être élu maire, chef au niveau international, à être bien coté dans les guides. C'est ce que j'ai fait. Mais après, quand j'ai réalisé ça, j'ai vu qu'il y avait un tel vide que je ne me sentais pas chez moi en fait. Parce qu'au début, les gens vous disent, ouais, quand tu n'as pas les papiers, les gens te disent, ah, il faut avoir tes papiers, j'ai eu mes papiers. Quand à un moment, on te dit, oui, il faut avoir un grand diplôme, j'ai eu un grand diplôme. À un moment, on te dit qu'il faut travailler, j'ai travaillé. À un moment, on te donne toujours des choses pour justifier le fait que tu sois noir de l'autre côté. Et moi, j'ai vraiment fait, j'étais un bon élève, je travaillais bien. Et donc, j'ai fait en sorte que tout ce qu'on me demandait de faire, que je puisse les réaliser. Et à partir du moment où j'ai réalisé tout ça, j'ai vu que ce n'était pas le fait qu'on était incapable, qu'on n'allait pas loin. C'était juste le fait qu'à un moment, si t'es black, que tu sois bon, que tu sois pas bon, c'est pas les personnes qui t'oppriment qui vont t'aider à aller de l'avant, en fait. C'est un peu ça. Parce que tous les gens étaient contents que je sois là, tous les gens reconnaissaient ce que je faisais là-bas, mais il y avait un vide par rapport à ça. Et c'était plutôt un vide personnel. Et donc, je me suis senti que je n'étais pas dans mon assiette et qu'il fallait que j'y retourne chez moi pour que je puisse peut-être donner un sens à mon travail. Mon premier conseil, c'est d'abord de décompter sur personne. Le deuxième, c'est d'avoir un projet, être passionné, faire ce que les autres ne font pas, et croire à son projet et travailler beaucoup plus que les autres. Et chaque jour, ajouter un pas. Aujourd'hui, si vous êtes limité là, demain, vous essayez d'aller encore de l'avant. Et ce qui nous manque, et avoir beaucoup de patience. Parce que j'ai vu que ici, les premières raisons pour lesquelles les gens font du business ici, c'est un peu s'enrichir. Mais c'est pas seulement le fait d'avoir gagné de l'argent qui a une satisfaction. Donc, il faut essayer de mettre ce que vous voulez vraiment et considérer que c'est pas seulement avoir beaucoup d'argent qui est, même si la raison, on va dire économique, c'est ça, mais essayer de trouver d'autres raisons ou une autre façon d'aller tout doucement, parce que si on veut tout de suite devenir riche tout de suite, alors que dans les business, des fois, ça demande d'aller un peu plus tout doucement. Alors, en trois mots, qu'est-ce qui est entreprendre pour moi? C'est concevoir, réaliser, prospérer. Mon actualité maintenant, c'est que j'ai une émission sur Canal+, qui passe actuellement. Et donc, c'est sur la chaîne Cuisine, dont j'ai été un des initiateurs du projet. Donc, je travaille sur les paquets cuisiniers pour Canal+. Comme ça, on a une émission sur la cuisine africaine dans une grande chaîne qui est regardée un peu de tout le monde. Comme ça, on voit un peu notre cuisine et notre culture. Et ça, c'était l'actualité maintenant. Mais sinon, à part ça, tous les jours, je suis à mon restaurant qui est à Rome, qui est sur l'immeuble CTC Avenue Wagenya à Kinshasa, à Gombe, et qui est l'un des meilleurs restaurants de tous les Congos, si ce n'est pas parmi les meilleurs restaurants d'Afrique. À part ça, l'école de cuisine, pour le moment, on est en train de travailler pour la formation de l'école de cuisine, parce que chez nous, c'est apprendre, mais on apprend en agissant. Et aussi, c'est un métier. Donc, un métier, c'est quand vous ne le faites pas, vous ne léguez pas votre savoir-faire, ça devient un peu compliqué, parce que nous, ce qui m'a aidé, c'est parce que j'ai eu des bons profs et des bons formateurs qui m'ont aidé à faire mon métier. Et ce n'est pas uniquement au niveau théorique, c'est au niveau pratique aussi. Donc pour moi, j'aimerais bien arriver à ce qu'il y ait encore de bons chefs africains, c'est pas les Congolais aussi, qui soient peut-être mieux, même mieux que moi dans les futurs. Donc je travaille sur ce projet-là pour l'école des cuisines. Et aussi aller ouvrir mon deuxième point de vente. Et ça c'est en cours aussi. Et toujours les émissions de cuisine aussi. Où est-ce qu'on peut me suivre? Sur les réseaux sociaux, même si je ne suis pas trop au réseau, moi je suis plutôt à l'ancienne. Quand quelqu'un vient chez moi, c'est plutôt des bouches à oreilles qui fonctionnent le plus chez moi. Je sais que je dois un peu plus m'adapter par rapport au réseau, mais bon, je suis sur Instagram, Christian Yumbi, c'est plus simple.